15 millions d'euros, c'est le chiffre du jour et c'est la somme que la ville d'Angers veut investir en 2009 et 2010 pour accélérer la construction de logements sociaux. Ce dossier est examiné ce soir par les élus du conseil municipal. Dans les grandes lignes, retenez notamment que les bailleurs sociaux comme Angers Habitat se verront proposer des aides financières qui doivent leur permettre d'augmenter leur rythme de construction. Pour les particuliers accédant à la propriété, des enveloppes allant jusqu'à 6 000 euros par logement sont par ailleurs prévues. À travers cette opération, la ville d'Angers souhaite également favoriser l'arrivée de nouvelles constructions sur des zones bien précises. Avec l'arrivée du tramway, nous souhaitons accélérer la production de logements sociaux. Donc c'est vrai qu'autour des stations du tramway, il y a là un axe privilégié pour nous pour accélérer la construction de ces logements. Ces 15 millions vont permettre d'accélérer la production d'environ 1000 logements sociaux sur la ville. Ce sont des logements qu'on aurait fait, mais qu'on va faire beaucoup plus vite. Du côté de l'opposition municipale, plusieurs élus ont d'ores et déjà annoncé qu'ils voteraient en faveur de ce projet, tout en regrettant cependant qu'un effort ne soit pas fait pour faire baisser les prix des loyers payés par les Angevins aux bailleurs sociaux. L'idée, c'est tout simplement d'éviter une hausse, puisqu'il y a des hausses qui sont prévues cette année des loyers dans l'habitat social, ou une hausse des taxes, tout simplement, des charges. Donc faire en sorte que la ville participe à un fonds social du logement à hauteur de 2 millions d'euros, ça fait 15% de l'enveloppe de l'investissement évoqué tout à l'heure, pour accompagner les Angevins. A noter que la ville d'Angers souhaite également mettre à profit ce programme pour faire émerger de nouveaux types de logements utilisant des matériaux innovants, comme par exemple le bois, ce qui est déjà le cas de certaines constructions d'Angers Habitat aux abords du parc de la Garenne.